j'avais l'impression qu'on allait effectivement surfer sur les vagues. C'est vrai que j'ai un bateau, mais surfer avec un bateau de cette taille et surtout avec l'armement des voiles, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors on parle beaucoup du Bel Aime, mais j'avais l'impression qu'on allait faire une croisière avec le Bel Aime. Bon, je dirais que tous les endroits sont conviviaux. Et justement, c'est aussi l'intérêt de ce bateau, c'est qu'il est d'une taille très réduite. Et donc, on peut finalement rencontrer tout le monde. C'est la différence avec un énorme bateau de croisière où là, il y a 11 étages, 12 étages. Là, on est tous ensemble. On a eu la chance d'avoir un chef qui fait de la cuisine originale, une très bonne cuisine, variée. Et puis, on parle souvent du cuisinier, mais parlons aussi du service, qui était irréprochable. On avait l'impression que l'équipage avait envie de nous faire plaisir. Si je devais faire une interro, je serais pas très bon. On a vu concrètement et on a découvert toute la culture grecque et c'était l'objet de toutes ces îles. Tout le monde parle de la Vénus de Milos, mais on a vu l'endroit où la Vénus de Milos était. On a vu aussi toutes ces ruines. C'était prodigieux, avec en plus des guides qui avaient une connaissance et un amour de leur pays, qui nous ont, je dirais, fait participer avec chaleur, avec amour. Pour moi, la belle rencontre, c'est l'équipage. J'ai vu des gens de plusieurs nations, ukrainiens, égyptiens, philippins, mais des gens qui ont une espèce d'unité, qui ont une espèce d'amour et effectivement une vénération pour ce bateau. Bon voyage! Je dois dire que c'est fabuleux quand Dominique connaît l'environnement, connaît les guides, et puis est d'une organisation exceptionnelle. C'est millimétré, on n'attend pas le bus, on attend tout est parfait, parfait, parfait. On avait l'impression qu'elle était avec nous, qu'elle partageait avec nous. Et c'est là où on voit quelqu'un qui est professionnel. Je reprendrai les mots, enfin le livre de Martin Luther King, « I have a dream », ce rêve s'est réalisé.